Ah. Franchement, quand j'ai vu la news, je me suis dit c'est fake. C'est quoi cette news-là? Kim Kardashian était dans un clip de Tupac. T'as vu? Déjà, rien que je te le dis, tu me crois pas. Mais bon, je vais t'expliquer. Comme d'habitude, les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et puis c'est parti. Quand est-ce que Kim Kardashian a révélé cet énorme secret? C'était pendant un podcast qui s'appelle Food God Love. Et je vais vous dire direct ce qu'elle a dit, on va pas passer par quatre chemins. Quand j'avais 14 ans, j'étais dans une vidéo de Tupac. Personne ne l'a jamais su, jamais. Tout d'abord, nous avons menti et avons dit que nous avions 18 ans. Nous marchions sur la scène, nous étions comme des mannequins descendant d'un catwalk. Ce n'est pas comme si nous étions en bikini au bord de la piscine ou quoi que ce soit du genre. Nous marchions littéralement, Kim Stewart, moi, Courtney et peut-être un ou deux autres amis. Je ne sais pas comment cela est arrivé, je dois appeler Courtney pour me le rappeler. Et Courtney, c'est une des sœurs de Kim Kardashian. Donc Kim Kardashian et Courtney étaient dans un clip de Tupac. Et j'en suis sûr, vous voulez savoir c'est quel clip? Patiente! Je vais te le donner. C'est dans le clip All About You en featuring avec Snoop Dogg et Nat Dogg qu'on la voit. Et je vais vous dire précisément à quelle minute on la voit. Donc à 3 minutes 12, à 3 minutes 35 et 4 minutes 28. Donc n'hésitez pas à aller voir le clip. Et mettez bien à 3 minutes 12, 3 minutes 35, 4 minutes 28 si vous voulez vraiment voir. Donc on la voit vraiment rapidement. Elle est en train de défiler comme si c'était une mannequin. Putain, elle avait 14 ans quand même. Mais bon, elle a menti sur son âge. Parce que quand tu dois faire des clips, etc., tu dois être majeur. Parce que des fois, les clips, c'est pas très simple. Mais là, ce qu'elle a fait, c'était pas quelque chose de mal. Tu vois, elle a juste défilé. Et beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Kim Kardashian a rencontré le rappeur Tupac? Non, elle l'a pas rencontré. Elle a dit comme quoi qu'il n'était pas présent ce jour-là. Autre petite news, le jeudi 19 septembre sur Push. Donc Push, qu'est-ce que c'est? C'est le blog lifestyle de la sœur de Kim Kardashian, Kourtney. Donc elle poste pas mal de choses. Et là, elle a posté une photo de Kim Kardashian, genre full naturel, sans maquillage, ni Photoshop, rien du tout. Commencez pas à la critiquer, les gars, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent voir à quoi ressemble Kim Kardashian. Vraiment full naturel, parce que quand on voit ces photos, tu vois que c'est ultra clean. Kim Kardashian a appris à assumer son psoriasis qui lui a été diagnostiqué il y a 13 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Kim Kardashian? Parfois, je suis à l'aise de le montrer et d'autres fois, je ne veux pas que ça soit une distraction. Donc, je le couvre avec du maquillage corporel. Vous devez faire ce que vous pouvez pour vous assurer que vous êtes à l'aise et ne pas laisser la maladie prendre le dessus. Voilà, les gars, je vous ai mis une photo de Kim Kardashian maquillée. Bon, après, je sais pas si c'est photoshopé, mais voilà, peut-être filtre, maquillage, etc. Et une photo, genre, où elle est vraiment naturelle et commencez pas à la critiquer parce que elle a une maladie. Comme vous avez pu le voir, une psoriasis, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'était vraiment une vidéo news sur Kim Kardashian, mais c'était vraiment le sujet sur Tupac qui m'a choqué et que je devais le faire en vidéo. Après, elle a fait un tweet où elle disait que c'était faux et que c'était pas elle dans le clip de Tupac. Mais pourquoi t'as dit ça en interview alors? Faut savoir, t'es passé dans le clip, oui ou non? Dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she like a Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call the Velcro. Till I need my dead end open the hole. Hit my metro if it's about the pencil, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extender. Bitches in the back, just like a fucking echo. Ayy, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.